Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours en pédagogie inversée sur la mondialisation. Ces vidéos traiteront de la mondialisation sous deux grands chapitres. Premièrement, le fonctionnement de la mondialisation qui sera décliné en quatre points. Deuxièmement, nous parlerons du débat qui existe aujourd'hui autour de la mondialisation. Dans un premier chapitre, nous aborderons d'abord la question des échelles d'analyse de la mondialisation. Ensuite, nous aborderons la question de savoir qui participe à cette mondialisation. C'est alors que la révolution des transports, ou la question du comment, devra être analysée. Et enfin, les conséquences de la mondialisation feront également l'objet de notre analyse. Le premier point sera décliné en trois échelons, ou échelles d'analyse. L'échelle mondiale, l'échelle continentale et l'échelle régionale. La partie des acteurs de la mondialisation traitera tout d'abord des acteurs publics, ensuite des acteurs privés, et enfin des institutions internationales qui participent à la mondialisation. La question de la révolution des transports portera d'abord sur le transport maritime, la problématique de la population mondiale et sa mobilité, et la fracture numérique. Enfin, nous analyserons différentes conséquences de la mondialisation qui, nous le verrons, sont multiples. Deuxièmement, le débat autour de la mondialisation portera sur la question de savoir si les civilisations constituent un frein à la mondialisation, point A. Dans un point B, nous analyserons le développement des organisations altermondialistes et dans un point C, on posera la question de savoir si un nouveau mode de gouvernance est possible. Mais en préambule de notre analyse, posons la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que la mondialisation en fin de compte? Cette question n'est pas évidente, puisqu'une définition de la mondialisation n'est pas chose aisée, mais nous pouvons dire que la mondialisation serait l'échange généralisé entre les différentes parties de la planète, où l'espace mondial est alors l'espace de transaction de l'humanité. Une première question surgit directement. Est-ce que la mondialisation est un phénomène nouveau? Pour ça, il faut remonter dans le temps à travers cinq dates clés. Tout d'abord, on peut remonter à la date de -12 000, qui marque la fin de la dernière glaciation quaternaire, qui aura plusieurs conséquences pour l'homme. Tout d'abord, l'abaissement du niveau des mers permet à l'Homo sapiens de se propager à travers le monde. Ensuite, la remontée des eaux va isoler ces sociétés et la fin de la glaciation va impliquer que des groupes humains passent d'un mode de vie organisé autour de la pêche, de la chasse et de la cueillette à un mode de vie organisé autour de la production, c'est-à-dire de la culture et de l'élevage. La date suivante est celle de 1492 et la découverte des Amériques par les Européens, qui est le point de départ d'un monde transatlantique et qui permettra à ces derniers, sur base des richesses capturées en Amérique, de s'industrialiser trois siècles plus tard, puisqu'en 1750, ce sont les grands débuts de la révolution industrielle qui est amorcée dans le domaine de l'agriculture, et le nombre d'Européens est par conséquent multiplié par 4. En 1914, triste date, puisqu'elle marque le début d'une Europe et d'un monde déchirés par les conflits d'ampleur globale, en 1945, Deuxième Guerre mondiale, et c'est ensuite la guerre froide qui continuera sous une autre forme de séparer les peuples. En 1980, c'est à partir d'ici d'ailleurs qu'on commencera l'exposé de ces vidéos, le monde changera radicalement avec des phénomènes globaux tels que la fin du monde soviétique, la croissance économique sans précédent de nombreux pays, le marché financier mondial, Internet et bien d'autres innovations technologiques. Mais regardons d'un peu plus près ce phénomène très ancien qu'est la mondialisation. La première question à se poser est la suivante. Comment fonctionne cette mondialisation? On l'a vu en préambule, cette mondialisation concerne la planète entière. C'est pourquoi il faudra déterminer quels sont les impacts sociaux de cette mondialisation et quels sont les impacts économiques du phénomène. Commençons par la question des échelles d'analyse de la mondialisation. Il y a en effet trois échelles, à commencer par l'échelle mondiale. Nous analyserons ensuite l'échelle continentale,
pour terminer avec l'échelle régionale. Plusieurs constatations émergent de l'analyse à l'échelle mondiale. Tout premièrement, c'est le clivage nord-sud, très important, qui nous apparaît de manière flagrante lorsqu'on s'intéresse à la mondialisation. Prenons cette carte par exemple. Sur cette carte, vous pouvez voir l'équateur économique apparaître facilement. Au nord, les pays à IDH très élevé ou élevé. Au sud de l'équateur économique, les pays à IDH moyen à faible. Comme vous le savez, l'IDH signifie l'indice de développement humain, qui est un indice statistique permettant d'évaluer le développement d'un pays sur base de trois critères. Premièrement, le PIB par habitant. Ensuite, l'espérance de vie à la naissance. Et enfin, le niveau d'éducation. On voit donc que cette séparation, même artificielle, rend compte d'une certaine réalité. Un autre point qu'il nous faut analyser par rapport à cette échelle d'analyse mondiale, c'est la triade. La triade fait référence à une théorie qui a été développée en 1985 par Kenichi Ohmae. Cette théorie nous explique que le monde, tel qu'il existe aujourd'hui, est bouclé par trois grands pôles de puissance. Les États-Unis, l'Europe et enfin le Japon. C'est en Europe qu'est née la révolution industrielle et par conséquent, elle a permis une croissance démographique exponentielle dans ce continent. Le phénomène s'est répété aux États-Unis et au Japon dans une moindre mesure. Un autre élément qui souligne cette triple organisation des flux mondiaux est que la crise économique de 2008, largement causée par les flux entre ces trois pôles, s'est en réalité généralisée à l'ensemble de l'économie mondiale. En troisième lieu, il y a lieu de s'arrêter sur la concurrence qui existe entre les BRICS et les NPI. Prenons une carte pour analyser la teneur des deux acronymes. Tout d'abord, les BRICS sont considérés comme un ensemble de pays qui sont des puissances émergentes en bonne voie pour acquérir un rôle central sur la scène internationale. Les BRICS font référence au Brésil, avec une économie en hausse, à la Russie, à l'Inde, avec ses hordes de scientifiques qui inondent le marché mondial, la Chine, et récemment l'Afrique du Sud, avec la meilleure économie d'Afrique. Si l'on prend le graphe en dessous de la carte que nous avons devant les yeux, nous voyons que la Chine pourrait, en 2050, devenir la première économie mondiale, suivie des États-Unis, de l'Inde, du Brésil et de la Russie. Nous avons ensuite les NPI. Cet acronyme fait référence aux nouveaux pays industriels. Il s'agit tout d'abord des dragons asiatiques, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Ils se sont très rapidement développés à partir du XXe siècle en concurrençant le Japon dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique de grand public depuis 1980. Ensuite, ces pays-là ont été suivis par d'autres, tels que le Mexique ou la Turquie. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les autres pays émergents. Ils sont considérés comme la manufacture du monde. Pour que se concentre autant de richesses en si peu de lieux, dans le cadre de cette mondialisation, eh bien, il est nécessaire que le monde s'organise en sous-traitant le travail et en délocalisant. Cette sous-traitance et ces délocalisations s'opèrent dans une série de pays émergents qui sont producteurs de matières premières, comme le blé, de biens industriels intermédiaires, comme des pièces de voiture, ou encore du textile. La difficulté pour ces pays qui caractérisent la manufacture du monde, c'est que leur économie tourne essentiellement autour d'un, voire deux types de matières premières, sources d'énergie, produits agricoles, biens industriels intermédiaires, etc. Le fait que leur économie soit consacrée à la production d'un seul, voire de deux types de produits, les rend tout à fait vulnérables au déséquilibre de l'économie mondiale, puisqu'ils sont clairement moins polyvalents que les pays de la triade, avec une économie performante. Un autre élément qu'il nous faut analyser dans le cadre de cette échelle d'analyse mondiale, c'est la raréfaction des produits fossiles.
Vous n'êtes pas sans savoir que le pétrole est une ressource convoitée dans le monde et qu'elle fait tourner l'économie internationale. Or, si l'on se penche sur les chiffres qui apparaissent à l'écran, on constate qu'un certain nombre limité de pays sont producteurs de pétrole brut. En effet, les produits fossiles se raréfiant, certains États ont un accès direct aux ressources pétrolières et occupent donc aujourd'hui une place de premier choix sur la scène internationale. C'est le cas des pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, composée de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, du Venezuela, de l'Angola, ainsi que d'autres pays membres tels que le Nigeria, l'Algérie, l'Indonésie, le Qatar. On constate donc que cette échelle d'analyse mondiale rend compte d'une réalité concrète qui est tout à fait indéniable, à savoir que la majorité des États du monde restent en marge de ce processus de mondialisation, puisque leurs économies ont finalement peu d'impact dans le cadre de cette mondialisation, puisque la triade va en fait exploiter les matières premières de ces pays. Il est maintenant temps de passer à notre deuxième échelle d'analyse, c'est-à-dire l'échelle continentale. En effet, au sein de chaque continent, il existe un certain nombre de conséquences économiques qui lui sont propres, qui impliquent une interdépendance des territoires au sein même de ce continent. Un excellent exemple de cette réalité sont les marchés continentaux que sont l'Union européenne, le Mercosur, l'ASEAN et l'ALENA. Mais regardons de plus près ce que recouvrent ces quatre marchés. Premièrement, l'Union européenne, que vous connaissez, s'est d'abord lancée dans une intégration économique avant de réaliser son projet politique qui peine encore aujourd'hui à être réalisé. En deuxième lieu, l'ASEAN est l'Association des nations asiatiques du Sud-Est et fut créée en 1967 dans l'objectif d'accélérer la croissance économique de ces États et de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Le Mercosur, quant à lui, est un bloc économique et politique qui est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela. Il a été fondé en 1991 afin d'améliorer les relations commerciales entre ces États. Enfin, l'ALENA. L'ALENA est un accord de libre-échange nord-américain conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1994, et dont l'ambition est avant tout économique. Alors, il est important de souligner le caractère relativement théorique de ces marchés économiques, puisque si vous prenez l'ALENA par exemple, qui poursuit un objectif de facilitation des échanges transfrontaliers entre le Mexique et les États-Unis, est quand même confronté à l'actualité aujourd'hui qui parle d'elle-même lorsqu'on entend souvent la création d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Enfin, une troisième échelle de lecture de cette mondialisation s'impose, c'est l'échelle régionale. Nous l'avons dit dans la première partie, le processus de mondialisation est un processus ancien. En effet, nous avons vu que l'un des vecteurs historiques de cette mondialisation était la révolution industrielle européenne. Si nous parlons ici d'échelle régionale, c'est parce que ces révolutions industrielles sont d'abord le fait de centres nerveux tout à fait locaux, comme le Royaume-Uni par exemple, qui vont faire office de catalyseurs de cette mondialisation. C'est en 1784 que James Watt dépose le brevet de la machine à vapeur. Ensuite, il est important d'insister sur l'importance de foyers industriels qui sont des mégalopoles, très souvent concentrés dans la triade. On parle de villes comme Londres, Bruxelles, Chicago, New York, des villes comme Pékin, Séoul, ou encore Tokyo, Johannesburg, etc. Sur le plan régional, de nouvelles régions motrices, appelées technopôles, émergent également. Ces pôles technologiques font figure de proue dans l'avancement des technologies, comme la société Tesla par exemple, en Floride, créatrice de voitures 100% électriques. Enfin, l'échelle régionale nous permet aussi de comprendre que les flux boursiers internationaux sont commandés à partir de quelques centres. La bourse mondiale fonctionne aujourd'hui sur trois sites principaux, New York, Londres et Tokyo. Nous avons jusqu'ici étudié la question de la mondialisation sous l'angle de l'espace géographique. Il est maintenant important de s'intéresser aux acteurs de la mondialisation, c'est-à-dire quels acteurs publics, privés et quelles institutions internationales interviennent dans les différents processus qui touchent la mondialisation. Ensuite, nous nous poserons la question de la révolution des transports
et enfin des conséquences de la mondialisation dans une deuxième vidéo. À tout de suite!